C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Aujourd'hui je vais devoir m'échapper de prison dans ce mode de jeu qui a l'air ultra bien fait. Le policier a l'air ultra vénère. Par contre il a un petit truc au nez là. Et là je dois choisir, est-ce qu'on fait le mode facile ou le mode difficile? Ah, je pense qu'on va d'abord commencer avec le mode facile et à la fin de la vidéo on tentera rapidement le mode difficile pour voir la différence. Veux-tu acheter un overboard? C'est une dinguerie. Bon, évidemment, j'ai préparé un maximum de Robux à dépenser aujourd'hui. On va acheter plein de petits gadgets. Mais pour l'instant, on va d'abord essayer sans tricher. Oh, on peut devenir le garde pour 700 Robux. Oh, c'est sûr que je vais acheter ça. C'est sûr que je vais acheter ça, les gars. C'est une dinguerie. Bobine de vitesse, un lance-flammes. Malade, les gars. Ou un taser. Oh là là, je sens qu'on va bien s'amuser. Mais pour l'instant, on va d'abord essayer de s'échapper avant de devenir le garde. Bon, ça m'a pas l'air très compliqué. Les frérots dans ma cellule, ils m'ont carrément fait un chemin pour pouvoir m'échapper. Bon, aussi, on est en mode facile. Peut-être on mettra plutôt le mode difficile par après. Oh, mais il y a quelqu'un d'autre qui essaye de s'échapper, là. Je suis pas tout seul, en fait. Et le mode de jeu est très, très joli. Énormément de joueurs jouent à ce mode de jeu. Donc, je pense que ça doit être sympa. Oh, il y a un policier, là. Un policier, on va se cacher. Ils sont énormes en plus, les gardes. Ah, attendez, il m'a vu ou pas? Il est aveugle. Bon, on fait le tour tranquillement. Oh, il vient en ma direction. Non, laisse-moi tranquille. Allez, faut vite que j'aille au deuxième étage. Atteint l'event d'évacuation au deuxième étage. Oh, le policier, il est juste derrière moi. Ça fait très très peur. Mais ça va, il est pas très rapide. Bon, j'ai carrément des petites flèches au sol. Ça, je pense, c'est aussi parce que c'est le mode facile. Évidemment, si tu kiffes les vidéos, le gros pouce bleu. Oh, il y avait un trou. J'allais pas voir. L'abonnement à la chaîne YouTube. Et dis-moi en commentaire quel mode de jeu Roblox la prochaine fois je devrais dépenser tous mes petits Robux. Bon, on a réussi à semer par entre le petit policier. Enfin, le petit. Il était vachement grand plutôt. Et là, on arrive dans une sorte de salle. Oh, mais c'est carrément un parcours. Ouais, je vais super lentement. Ok, c'est très bizarre. Oh, ok, ça me pousse. Ah, mais c'est parce qu'il y a un ventilateur géant en face de nous, les gars. Ok. Je comprenais pas pourquoi j'étais autant lent. Ok, on va à droite ici. Oula, c'est quoi cette couleur verte? Oh, mais il y a plein d'autres joueurs qui essaient de s'échapper. En fait, je crois qu'il va falloir faire des jumps. Mais non, c'est trop bien. Franchement, les décos sont super belles. Ok, on peut activer le levier. Je sais pas du tout. Oh, ça crée un chemin. Les gars, s'il vous plaît, qu'ils le désactivent pas. Oh, let's go, ça va, ils sont gentils. Imaginez, ils l'auraient désactivé. En vrai, on pourra peut-être tester ça après. C'est quoi ça? Prendre un verre. What? Je suis en train de boire quelque chose. Ouah, je vais super vite maintenant. Mais non, il y a carrément des super pouvoirs. C'est trop, trop bien fait. Regardez, c'est ultra satisfaisant. Dites-moi si vous avez déjà joué à ce mode de jeu. Il est quand même assez populaire. Je crois qu'il y avait 8000 joueurs en ligne actuellement. En même temps, c'est une grosse dinguerie. C'est super bien fait et c'est assez marrant. Je suis en train de tracer par contre tout le niveau. Mais oui, c'est tellement satisfaisant. Par contre, j'espère que la boisson aura les effets assez longtemps. Oh, allez, dis-moi qu'on a bientôt fini là. Mais la prison, elle est énorme. Je vous rappelle qu'après, on va devenir le prisonnier. Enfin non, pas le prisonnier, du coup le policier. On va pouvoir attraper les autres petits prisonniers. On va les mettre en prison, les gars. Je vais pas les laisser faire s'échapper comme ça. Oh, regardez, on peut voir à travers là. Oh là là, la prison a l'air géante. Oh, je suis où là? Casser un verre. Ouah, je peux casser la vitre. Oh, c'est incroyable. C'est un des meilleurs modes de jeu Roblox que j'ai joué jusqu'à maintenant. Heureusement, il y a les petites flèches pour m'aider. Trouve la clé de la bibliothèque et ouvre la porte. Oh, ah, il y a un policier. Non, non, non. Et par contre, ça met la pression. Oh, je vous jure que ça me stresse ce genre de mode de jeu. Oh, regardez, ici apparemment, c'est où il y a tout le stockage. Alors, s'il n'est pas là-dedans, oh, la clé, elle est carrément illuminée en bleu. Bon, ça va, au moins le mode de jeu n'est pas trop compliqué. On reste pas 3 heures sur le même niveau. Je pense vraiment que le mode difficile... Oh, ah, c'est juste, par exemple, le policier, il court plus vite. Et du coup, bah, je vais mourir tout le long. Ah, pente là, il me rattrape, il me rattrape. Oh, mais il fait flipper, va, regardez-moi sa tête. Oh là là, surtout qu'il est géant, il pourrait pas faire ma taille. J'espère que pour ouvrir la porte, ça va pas me prendre une heure. Parce que là, vraiment, le policier est juste derrière moi. S'il te plaît, ouvre-la vite. Oh, let's go, c'est bon. Oh, ça l'a fermé. Allez, ciao, ciao, le policier. Ouh, petit levier activé. Oh, ça va ouvrir un passage secret. Oh là là, il y a carrément des petites cinématiques. Non, mais c'est beaucoup trop bien fait. Par contre, je dois aller où? Je me suis perdu là. Mais genre dans une prison par contre, il y a une bibliothèque avec un levier énorme qui nous ouvre un passage secret. Oh, oh là là, là j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal pour s'échapper. On est déjà dans des mines souterraines. Là, on n'est plus dans la prison. On était clairement pas censé être ici. Mais on est dans une forteresse là. Wouah, ça commence à devenir ultra dangereux là. C'est quoi ces haches géantes avec des flammes? Ok, j'espère juste pas que si je meurs, je réapparais tout derrière.
Par contre, là, s'il y a des policiers, c'est n'importe quoi. Il y a deux leviers différents. Je vous avoue, je sais pas lequel activer en premier. J'espère que c'est pas un piège. Peut-être faut... Ah non, ok, il faut activer les deux leviers pour pouvoir ouvrir la porte. Mais attendez, il y a de la flamme. Il y a du feu, les gars, juste là-bas. Jamais je peux réussir à passer. J'espère que ça va désactiver, là. Oh, mais comment je fais? Comment je peux faire pour passer ici, les gars? Je suis pas invincible au feu, moi. Allez, on passe. Mais attendez, quoi? Mais c'est quoi ce super-héros, là, mon personnage? Non, je suis mort. Ok, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Ok, peut-être faut passer juste ici. Oh, ok, j'ai l'impression c'est ça. Oh là là, c'est super dur. Même le mode facile, moi, je galère. Genre, j'étais censé comprendre qu'il fallait passer là en dessous. Bon, ça va. On est passé, ça commence à se compliquer. J'aime bien, au début, évidemment, c'était super simple. Même en mode facile, parce que voilà, c'est le début du jeu. Mais là, on commence à avoir des petits jobs déjà beaucoup plus dangereux. Et même des petites énigmes qui se compliquent un petit peu. Là, on a toujours ces haches, elles font super peur. Oh, ok, go. Là, faut que je m'arrête. Oh, les pics juste devant nous, ça fait clairement flipper. Allez, descendez s'il vous plaît. Je cours. Allez, on l'enchaîne, on fait tout d'un coup. La hache, j'ai même plus peur. Ok, tout est ouvert. Oh, y a une corde géante là pour monter. J'ai l'impression que je suis pas le premier à m'être échappé d'ici. Hein. Il y a vraiment tout un chemin exprès pour qu'on puisse s'échapper. Même si c'est quand même assez dur, on va pas se mentir. Oh, je crois qu'il va se casser le pont. Oh non, j'ai vu un policier en face. Je vous jure, j'ai vu un truc bouger. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose pour tuer les policiers? En vrai, un lance-flamme, les gars. Normalement, ça devrait faire l'affaire, non? En plus, j'ai 25 000 Robux. C'est abusé. Ça, c'est pour financer toutes les vidéos. Parce que moi, à chaque fois, j'ai envie de tout acheter. Ok, par contre, là, maintenant, j'ai un lance-flamme. Je pense que plus personne va oser m'approcher. Allez, viens, le policier. J'ai plus peur. Oh. Ah ouais, par contre, il est timide, le lance-flamme. Je croyais que j'avais fait une grosse flamme. Viens par là. Ah, non. Non, il va me mettre en prison. Ah ouais, non, mais là, il me met pas en prison, il m'a tué carrément. Ce que j'ai compris, c'est que le lance-flamme est totalement inutile contre le policier. Regardez, il s'en fiche. Il s'en fiche, je viens de dépenser 200 Robux pour rien. Ah, il est en train de me suivre. Qu'est-ce que je dois faire, les gars? Oh, c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'on va réussir à le brain? Ah, ah. Regardez, il est à 2 cm de moi. Oh, il y a un levier juste ici. Ok, va falloir réussir à l'activer. Hop, let's go. Oh, laisse-moi tranquille. Oh non, il m'a chopé. Mais même le mode facile, c'est super dur. Let's go, on a réussi à fermer la porte avant lui. Oh oh, je crois que j'ai fait une connerie là. J'étais censé être sur la plateforme au milieu pour qu'elle me tire en haut. Mais j'avais pas compris ça. Non, les gars, je crois que je suis bloqué. Ah, c'est bon, ça redescend. Oh, j'ai eu peur. J'étais trop dégoûté. Là, où est-ce qu'on doit aller? Ok, il y a un petit tableau. Oh, pourquoi il y a des points de vie là-bas? Ah, c'est un policier! Attendez, se dire avec mon lance-flamme, en vrai, je pourrais le tuer, non? Viens par là, toi! Vaincre le garde en ramassant un poulet et en le lançant sur lui! C'est quoi ce combat? Bon, par contre, on va vraiment essayer de s'échapper aujourd'hui. On va essayer de finir ce niveau. Allez, je lui lance le poulet. On est en première vue de personne. Ouah, c'est un poulet explosif! C'est trop stylé! Boum! Allez, mange-toi ça! Voilà, tu m'as mis en prison avant. Bah, ça va plus se passer comme ça. Allez, oh, par contre, c'est tellement puissant alors que j'ai un lance-flamme. Mais le lance-flamme, non, lui, il fait aucun dégât. Hein. Tout est logique dans ce mode de jeu. Et voilà, t'es fini, mon gars. Ouais, il a explosé carrément, c'est un petit peu violent. Ok, par contre, les lasers... Oh ouais, ça déconne pas. Et je vous rappelle qu'après, on doit encore devenir policier. Ça, je sais pas du tout comment je vais pouvoir jouer, mais si je peux attraper les autres joueurs, ça risque d'être super drôle. Et bah, à tout moment, je me suis engagé dans un mode de jeu, là, qui va durer 3 heures avant que je puisse m'échapper. Où est-ce qu'on arrive, là? Oh là là, mais c'est quoi tous ces niveaux? Je peux récupérer des planches, je peux activer un levier. Ok, j'ai pris une planche. Oh, je peux la lâcher. Oh, c'est trop bien fait. Non, bah attendez, je prends la planche juste derrière moi en vrai. Et bim! Trop facile pour moi. Je suis le meilleur prisonnier. Par contre, j'ai l'impression que j'ai de nouveau vu des points de vie. Ça veut dire qu'on va de nouveau devoir affronter un policier. J'espère qu'on a de nouveau les poulets explosifs. Là, c'est sûr que je gagne. Oh, je suis dehors, je crois. Oh! C'est quoi ce policier? Ouah, j'ai un lance-roquette! J'ai un lance-roquette, les gars, regardez ça! Par contre, le policier, c'est plus du tout la même chose, c'est un robot géant. Mais là, j'ai une arme, c'est un truc de malade. Oh, je crois qu'il va me tirer dessus. Ah non, il se défend. Là, je dois vaincre le boss avec mon lance-œuf. C'est ultra stylé. Oh, oh, c'est quoi ce boss de malade? Oh, c'est ultra bien fait. Ouah, il a un missile! Ok, c'est bon, j'ai réussi à esquiver. Ok, allez, encore une boule! Let's go! Je crois qu'il est mort.
Allez, c'est fini pour toi, le policier. Je suis plus fort que toi. Ouah, par contre, comme ils explosent, c'est n'importe quoi. Allez, dis-moi que j'ai fini par... J'ai réussi à m'échapper de la prison, let's go. Mais attendez, c'est quoi là-bas? J'ai pas l'impression que c'est la fin du jeu. Mais par contre, ça m'intrigue vachement. J'ai l'impression que c'est une nouvelle prison. Je devrais peut-être pas y aller, vu que je viens de m'échapper de la première. Mais ça me donne trop envie de monter là. Regardez, il y a un petit parcours. Oh, qu'est-ce qui se passe par ici? S'il y a une deuxième prison, c'est incroyable. Mais bon, on se le gardera pour une autre vidéo, à mon avis. Ok, on monte. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, nouvel lobby. Mais ouais, regardez. Waouh, regardez, là, c'est les meilleurs scores. Mais attendez, moi, j'ai fait 763. C'est ultra bien, non? Les autres, ils ont tous fait plus long que moi. Ici, ça, je crois que c'est un autre mode de jeu. Waouh, là, je pourrais tenter le tryhard mode. Oh, non! Mais non, moi je voulais aller voir l'autre niveau. Bon, bah on est de nouveau au même endroit. J'ai pas envie de faire le mode tryhard parce que regardez, c'est exactement la même map. Mais je vais devenir garde, les gars, 700 Robux. Mais ça doit être incroyable. Allez, on va acheter. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que je vais pouvoir arrêter des gens et que c'est pas juste un skin. Pour l'instant, le paiement a bien été effectué, mais... Oh, let's go! Je suis devenu garde. Oh, je peux passer à travers la cellule. Regardez, il y a les autres joueurs. Je vais les allumer, les gars. En plus, j'ai un lance-flamme, je crois. Est-ce que le lance-flamme, il marche? Non, il marche pas. Je vais les choper. En plus, ils sont en mode difficile. Et en plus, il y a un garde supplémentaire. Venez par là, les petits. Ouah, je leur fais flipper, là. Mais par contre, je crois que je peux pas les mettre en prison. Mais non. En fait, je suis juste un gars. Je crois que je peux juste leur faire peur. Eh ben ouais, les gars, en fait, c'était moi. Je les ai pranqués. Oh, il y a le policier qui me suit. Hop, je deviens garde. C'est trop cheaté. Mais non, moi j'ai cru que j'allais pouvoir mettre en prison les gens. C'est vraiment juste un skin. Mais je peux quand même m'échapper de prison. Ah bah je peux aussi même mourir. Franchement, 700 Robux, c'était super cher pour devenir garde et même pas pouvoir tuer les autres joueurs. Mais en tout cas, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et bon les BG. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.